Bonsoir, mesdames, messieurs, merci et bienvenue dans votre journal dont voici le grand ligne. Déjà, Kinshasa, au cours d'une interview accordée à la presse depuis Bruxelles, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accusé l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange d'être à l'origine du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, dirigé par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa. Joseph Kabila prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui, a-t-il déclaré. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et puis, à l'occasion de sa visite dans la province du Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Monana, s'est rendue au cimetière du Génocoste à Kibati, dans les territoires de Nyiragongo. Il était question pour Aziza Monana de déposer la gerbe des fleurs, de se recueillir et d'apposer sa signature dans les livres des condoléances. C'est tout pour les sommaires. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République congolais a accusé son prédécesseur d'être derrière l'Alliance Fleuve Congo. Joseph Kabila a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection. L'AFC, c'est lui, a déclaré Tshisekedi dans une interview accordée mardi à la presse depuis Bruxelles. Suivez. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la CENCO, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire, j'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? J'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Mouzito, et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du Fonarev, promettant de s'impliquer dans le combat du Fonarev, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Monsieur Mouzito, hommage à lui, lorsque nous avons terminé la sixième revue avec le FMI, premier fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Jamais les revues avec le FMI n'avaient été jusqu'à leur terme dans notre pays. C'est la première fois que ce gouvernement arrive et c'était sous la direction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que l'on jette en pâture aujourd'hui. Mais Adolphe Mouzito m'a envoyé un message de félicitations. Et lui, il est très bien outillé pour savoir ce que ça signifie. Vous voyez, mais il n'est pas au gouvernement, il n'a pas de privilèges. Il reste objectif. Ça, c'est des vrais hommes d'État. C'est ça que nous devons voir dans notre pays. Autre chose, le bureau de la Chambre haute du Sénat a réceptionné lundi dernier août les candidatures des différentes personnalités politiques aux différents postes pour l'élection du bureau définitif de cet organe délibérant. Les détails dans cet élément.
Le bureau de la Chambre haute du Sénat a réceptionné lundi 5 août les candidatures des différentes personnalités politiques aux différents postes pour l'élection du bureau définitif de cet organe délibérant. Pour les postes de président de cet organe délibérant, trois membres de l'Union sacrée ont déposé leur candidature. L'ancien Premier ministre Samalou Kondé, membre du regroupement politique Agissons et Bâtissons, non-agenneur Jonas Munkambaka Diatanzemba, des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, ainsi que l'ancien gouverneur de la province du Maniema, Afani Idrissa Mangala, candidat officiel désigné par l'Union sacrée pour la nation, vont devoir batailler très dur pour arracher ses fauteuils. Au poste des premiers vice-présidents du Sénat, présentement, une seule candidature a été enregistrée jusque-là. Il s'agit donc du sénateur Kalalawa Kalala José. L'ex-président du Sénat et à la deuxième vice-présidence, on retrouve l'ex-président de cette chambre haute du Parlement, Bahati Lukwebo, et les sénateurs Corneille Isengue. Selon les calendriers réaménagés de cet organe délibérant, les dépôts des candidatures vont se poursuivre jusqu'à ce mardi 6 août. Il y a lieu de souligner que le jeudi 8 août est choisi pour l'examen des recours des candidatures par la commission ad hoc mise en place par les présidents du bureau d'âge et l'affichage des listes définitives des candidatures retenues. Ayant appris la tournante dans laquelle se trouve le conseiller communal de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné de son rapporteur adjoint et de la questeur adjointe, Grace Nema, les a réunis mardi 6 août dans la salle des banquets du Palais du Peuple pour échanger autour de leur desiderata. Laetitia Mvuyamba nous en parle. Prenant la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, les conseillers Willy Nzembela, élu de la commune de Bimpemba au Kasaï central, a brossé succinctement les grandes lignes de la revendication. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures de travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ces problèmes, c'est une sorte d'incompatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a écouté chacun des intervenants avant de rencontrer un à un chaque problème. Il a relevé le fait que les conseillers communaux en droit de leur mandat. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple si soi-même on souffre de la première maladie qui s'appelle la faim. Vous avez frappé aussi à la bonne porte, la porte des élus. À travers votre porte-parole et à travers tous les amis qui sont intervenus brillamment ici à l'Assemblée nationale, dans les budgets qu'on viendrait déposer ici, vous allez voir que cela va figurer dans le budget. À noter, les différentes revendications ont été coulées dans un mémo dans lequel les conseillers communaux appellent de tous leurs vœux les présidents de l'Assemblée nationale à s'impliquer à travers un lobbying auprès du gouvernement afin de résoudre la question de leur prise en charge. Vital Kamerhe a annoncé ensuite qu'il va réunir à Kinshasa les gouverneurs de la ville et les différents conseillers afin de définir un cadre de travail où doit régner la cohésion. Les 10 nouveaux membres du gouvernement provincial de la ville, province de Kinshasa, sont entrés officiellement en fonction mardi 6 août 2024. La cérémonie de remise est reprise dans la salle Kinshasa Malebo de l'hôtel des villes de Kinshasa. Les reportages avec Esther Amissi.
C'était une séance marathon mardi 6 août à l'hôtel de ville de Kinshasa, marquée par la cérémonie des remises et reprises entre l'équipe de Gentili Ngobila Mbaka et celle de Daniel Bumba Lubaki. Moussa Ntsanga Papi a cédé les fauteuils des ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité et Justice à Tshitenge Kabuya Thierry, ministre entrant à qui l'on a attribué également les affaires coutumières. Même exercice pour Mbutamutu Luanga Charles qui a cédé le fauteuil des ministres provinciaux près le gouverneur en charge des relations avec le Parlement à Janon Canon Larose, ministre entrant de l'éducation et citoyenneté. Charles Mbutamutu qui était représenté à cette cérémonie par Cédric Sayo. Badibanga Chilumba Ose a aussi cédé le fauteuil des ministres provinciaux du Commerce, Industrie et Action Humanitaire à Fiston Lukwebo Musengo, devenu ministre provincial de Partenariat Public-Privé, Commerce, Petite et Moyenne Entreprise. Fiston Lukwebo Musengo qui est ensuite revenu pour la remise et reprise avec Mondonga Mayaka Edmond, commissaire général sortant en charge des petites et moyennes entreprises et artisanat. Et enfin, Lisanne Mbalemba a bouclé la boucle en cédant le fauteuil à Patricien Gongo Abakiza, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale entrant. À l'issue de cette cérémonie, Fiston Lukwebo, ministre provincial du partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises, a promis de travailler toujours pour l'intérêt de la population quinoise et assurer de réguler ce secteur vital dans le cadre de la continuité de l'État. De son côté, Lisanne Mbalemba Kampanga a dressé un bilan de ses réalisations. Il est au micro d'Esther Amissi. Nous savons que la tâche est grande, mais nous allons mettre toute notre responsabilité, notre compétence pour donner aux Quinois le meilleur de ce que nous avons. Nous savons aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes des Quinois. À chaque fois que nous sommes dans la rue, on est face à ces problèmes et que les Quinois s'attendent à un meilleur rendement de leur ministre. Nous avons besoin de revenir à l'époque du civisme. Nous avons besoin de revenir au respect de la nation. Nous avons besoin de faire revenir le patriotisme en nous. Et ce sera mon rôle, en tant qu'aujourd'hui ministre provincial de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté, je serai appelé à prôner le civisme d'abord et le patriotisme. Nous avons eu beaucoup de réalisations. Dont vous me posez la question, quel est le bilan que je laisse? Ben, vous pouvez voir la maternité de Kinshasani. C'est l'une des plus grandes maternités de la ville de Kinshasa. Et c'est un projet qui a été fait sous mon impulsion, sous l'impulsion de mon ministère. En dehors de ça, il y a un nouveau bâtiment R+1 qui a été conçu au niveau de Boubou. Donc au niveau de sanatorium, n'en parlons même pas. J'ai laissé une usine d'oxygène, de production d'oxygène, qui pourra fournir des servir tout là. Et il y a la réhabilitation, il y a toute une maternité, une nouvelle maternité qui est occupée à être construite au niveau de sanatorium. La salle de réanimation. Au niveau de l'hôpital de la Rive, on a eu à équiper avec un matériel pour le laboratoire vraiment moderne. Il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa des morgues modernes avec tiroirs, c'est plus des étagères. Donc je suis fière de mon bilan, je saurais tout évoquer. À la maternité de Kitambo, là où le chef de l'État a eu à poser la première pierre avec le partenaire de Saint de dernier jour, un grand lot d'équipements a eu à être déposé là-bas. À l'occasion de sa visite dans la province du Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est rendue au cimetière du Genocoste à Kibati dans les territoires des Nyiragongo. Il était question pour Aziza Mounana de déposer la gerbe de fleurs, de se recueillir et d'apposer sa signature dans les livres de condoléances. Les détails dans cet élément. À l'occasion de sa visite dans la province du Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, s'est rendue au cimetière du Genocoste à Kibati, dans le territoire des Nyiragongo.
Il était question pour Aziza Mounana de déposer la gerbe des fleurs, de se recueillir et d'apposer sa signature dans les livres des condoléances. Une manière pour Aziza Mounana de compatir avec les mémoires des victimes de l'agression rwandaise inhumée dans ces cimetières. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette mort injustement imposée par nos voisins? Derrière tout ça, c'est le manque d'amour. Mon devoir, c'est accompagner leur famille, essayer de leur donner, si possible, la joie de vivre. Et leur dire aussi qu'il y a un gouvernement, il y a un président, Félix-Antoine Tshilombo, qui ne les abandonne pas. C'est une désolation pour les élus. Je tiens à remercier Son Excellence Madame la Ministre qui s'est déplacée jusqu'ici dans les territoires de Nyiragongo et précisément au cimetière d'Igeno Coast. C'est une marque de compassion, une marque de nationalisme pour venir ou rendre hommage à nos frères qui ont perdu leur vie dans les différents camps éparpillés aux alentours de la ville de Goma. Nous ne pouvons que d'abord remercier le gouvernement de la République à travers la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire qui ne cesse d'accompagner le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que nous sommes en train de mobiliser toute la population congolaise, de se mettre derrière la vision du chef de l'État et surtout de nous soutenir nos compatriotes, d'abord le FRDC, et tous les jeunes qui se sont engagés de se battre aux côtés de nos FRDC pour la sauvegarde de notre intégrité nationale et de la souveraineté de notre pays. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire a saisi l'occasion pour visiter les travaux de construction des caveaux où seront enterrées les victimes des atrocités des ennemis de la paix. Soucieuse du social et du bien-être, Aziza Mounana a visité certains entrepôts de la ville pour voir dans quelle mesure elle pourra acheminer les vivres et non vivres aux sinistrés. Sport à présent. Le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimboua a reçu dans son cabinet de travail l'ancien vice-président de la Fédération des basketball, M. Joe Limbunga, pour une discussion approfondie dans son secteur. Les détails dans cet élément. Pour commencer, il était question d'évoquer la situation actuelle du basketball congolais avec Joël Olunga, candidat malheureux aux dernières élections à la FEBACO après un processus électoral qu'il qualifie d'irrégulier. Je suis venu d'abord féliciter le ministre du Sport pour son nouveau mandat, car il a été reconduit au gouvernement après l'hydrocarbure, maintenant au ministère du Sport et Loisirs, et ainsi de lui présenter la situation actuelle du basketball congolais en RDC. Car aujourd'hui, nous devons accompagner notre République, mais pour l'accompagner, nous ne devons pas l'accompagner avec la tricherie et des viols de textes. Car aujourd'hui, malheureusement, lors de la dernière élection de la Fédération de basketball pour le bureau exécutif, il y a eu certains viols de textes par le comité dont je faisais partie avec le président AI. Depuis son arrivée à la tête de ses ministères, Didier Boudimbou se montre réceptif et ouvert à tout échange favorable à l'avancement du sport en RDC dans le strict respect des textes. Juste après la pratique de l'athlétisme, son développement, la gestion de la fédération et les participations de la RDC aux compétitions internationales, à l'instar des derniers Jeux olympiques qui se sont soldé par un échec, c'était l'objet de la présence de la structure Agissons Ensemble conduite par Céline Kapanda, sa présidente. L'initiative n'angezaka que combat oyo ya ko zone athlétisme en marche ndengezaka kala tant que zaiko ko sala. Donc on a zo bundela combat onde na sa ki promesse na ba athlète na biso ya athlétisme. Nazaiki na bango na accompagné ki bango avant ba francophonie pendant la francophonie nayaki na ben don nayaki na aidé ki na bango na makambo belé moi financement bato ba check nga maboko. Agissons Ensemble déplore la gestion mitigée de la fédération, les manques de volonté d'organiser les élections pour l'installation d'un comité légitime capable
de remettre l'athlétisme à sa place. Les patrons des sports s'y montrent réceptifs à leur doléance et restent ouverts à entamer des discussions sérieuses avec dirigeants de la fédération et les pratiquants de la discipline en vue d'élever les options pouvant favoriser la relance de la mère des disciplines olympiques. C'est par cet élément que nous mettons un terme à ces programmes d'information sur votre télévision, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.